Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die, toujours en coop pour notre seconde vague. Écoutez, il s'est passé plein de choses, je vais vous faire un petit résumé et ensuite, eh bien, je vais vous donner simplement le replay de ce qui s'est passé. La vidéo fait plus d'une heure car il y a aussi la préparation à cette vague. Donc en gros, on a voulu chercher un autre endroit car on s'est dit qu'il était peut-être temps d'aller voir eh bien, des sections plus élevées. Car si vous vous souvenez, plus la section est élevée, plus le loot est élevé également. Donc on a essayé de trouver un autre endroit sans se spoiler. Voilà, au début, sans chercher la carte. Car on a la carte de base, donc on peut trouver eh bien, un petit peu sur internet les différents biomes. Et on aurait pu s'installer directement, mais non, on est parti. Alors directement au nord sur le biome neige. Donc on a fait différentes rencontres, hein, les ours... Les loups, ouais, ça a été compliqué. Il y a un moment, on était vers une voiture de police. On a essayé de l'ouvrir. On a réussi, mais ça a déclenché je ne sais combien de zombies un peu spéciaux. Enfin bon, ça nous a permis un peu de rigoler aussi. Mais ça a été long. Très long, car on a trouvé différents biomes. Celui, eh bien, brûlé. À un moment donné, on avait l'impression de ne pas en être sorti. Mais si, on était quand même dans un autre biome, alors qu'il y avait encore cette espèce de brouillard cendré. C'était un petit peu compliqué. Donc, à un moment donné, on s'est dit, allez, c'est bon, on va pas passer non plus je ne sais combien de temps. On a regardé vite fait et on s'est installé, eh bien, dans un biome prairie, mais pas loin du biome neige, ni des suivants. Je pense qu'il y a un biome qu'on n'a pas vu, à savoir celui du désert, voilà. Et on s'est installé dans une ville, ça permet de clean les maisons au fur et à mesure. On a un méga hôpital face à nous également, des fermes qui ne sont pas loin non plus. Donc voilà, on a décidé de se mettre là et de s'installer. Donc vous allez voir tout du long, il y a le garage qui va se transformer en forge, Zano va le transformer un petit peu en bunker. On va installer l'établi, on va installer la forge pour avoir accès, oui, pardon, un petit peu plus au tiers supérieur. Le doc, il va les déglinguer du zombie hein, avec le fait qu'il se soit spécialisé un petit peu en tout ce qui est discrétion, arbalète, tout ça. Fait un vrai carnage et moi je continue tranquillement le petit jardin, voilà. Donc écoutez, j'espère que ce qu'on fait c'est pas trop n'importe quoi. Et il y a la seconde vague, je n'en dis pas plus, je vous laisserai eh bien découvrir. Voilà, je vais essayer de chapitrer la vidéo pour que vous puissiez aller là où ça vous intéresse. Et puis eh bien, je vous souhaite eh bien un bon visionnage. Allez, à plus tard. Ok, nickel. Je vais faire un petit tour de la baraque quand même, histoire de montrer. Donc là, il nous attaque quand exactement? Bientôt. Ok. Alors, nouvelle petite base. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on repop, non? J'ai l'impression qu'il y a des meubles en plus. Ok. Voilà. Là, c'est bloqué. Du coup, quand t'as les torches à l'intérieur, tu crois que ça les attire quand t'as pas de toit là, comme ma petite tour? Non, c'est vrai. La petite tour, tranquillou. Il va falloir que Et je ouais, mange ça avant joue. le truc. Des trucs à ordures là dans la baraque. Balcon. Ouais. Ça se fait tout seul, tu crois? Et des pièges en fer d'ailleurs. Hein. C'est vous qui Hop. les avez fait, les pièges en fer en sous-sol? Non, j'ai rien fait en fer, moi, il me semble. Je voulais voir pour les barbelés mettre autour de la maison. Voilà. Et petit échappatoire. Voilà. On verra bien. Toute façon, moi j'ai mon fusil niveau 6. Il y avait besoin de remettre une porte quelque part, j'en ai une dernière sur moi. Je vais quand même montrer la garçonnière de Zano. Porte en fer quoi. Que du fer, il y a Et du d'autres fer fers. là-dedans. Voilà, là c'est pour le click and collect. Balle dans la tête chacun. Petit établi. Le ramasseur de rosée, faut qu'on le refasse, hein, vraiment. Et Faudrait peut-être forge. qu'on essaie de dés en fait celui qu'on a fait pour récupérer le filtre. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Ah, ça peut peut-être venir d'ici, ouais, effectivement. On aurait peut-être pu mettre des pièges ici, là. Vers la forge. Je me rends pas compte de... C'est combien de vie une porte en fer? Je sais plus. 5000 je crois. C'est pas mal. Ouais, c'est résistant, hein. Bon, ok, on est pas mal.
T'as un gros casque et tout. Je sais pas, moi j'ai ramassé des trucs qui étaient dans les caisses. Alors. Là, comme ça. Le gros casque parce que ça fait de la... Ça diminue la mobilité. Bon, mais là, je vais pas bouger. Là, ça remonte vers la forge. Pourquoi tu casses ça, tu m'as dit déjà? Je vais mettre un étage là. Ok. Et en fait, je peux pas mettre l'étage si il y a la petite poutre en métallique là. Mais les poutres, elles étaient là avant ou c'est toi qui les as mises? Non, non, elles étaient là avant. C'était la structure en fait de la porte de garage. D'accord. Mais je pense que les poutres, elles servent à quelque chose au niveau... On appelle ça architecture. Mais je pense justement que ta porte de garage, tu peux pas la mettre si t'as pas la poutre métallique. Ah ouais, je serais pas étonné. Petit tour dehors peut-être. Est-ce qu'il va y avoir encore les chiens là? Attaqué par les chiens. Ah bah ça pousse bien le petit jardin. Et le Pas but, de ouais, ça pousser serait contre un mettre... très gros zombie là. Où? Ah, on s'est pas groupé. Ou pour nous. Ouais, je m'éloigne un peu. À la place des clôtures, là, faudra vraiment mettre barbelé. Mais je crois que le barbelé, on peut le faire, non? J'avais vu la dernière fois, je crois. Clôture en barbelé. Faut du fer et du bois. Après, il saute Oula, par-dessus. j'ai deux zombies avec les yeux jaunes là. Alors, attends, t'es quelle couleur aujourd'hui? Aujourd'hui, t'es bleu. Bleu, je te vois pas. Ah si, ça y est. Tu reviens vers la maison là? Ben, j'en ai bientôt fini un là. Ouais. Ah putain quand même. Ouais. Faut vraiment que je mange, parce que là, faut vraiment qu'on soit tout le temps nickel. Bon, par contre, c'est les bandages quoi. On en avait vague 1 et là on n'en a pas. Il y a beaucoup de choses à boire, mais il y a presque rien à manger. Ben, ça fait plaisir ça le 1600 d'XP là. On a plus de viande, c'est ça? Je sais pas. Ouais, je crois qu'il va falloir. Il y avait 20 viandes, je crois, qui traînaient dans une caisse. Ah, faudrait les mettre. Je vais regarder où elles sont, s'il y en a un de vous qui peut les mettre. J'arrive avec 3 viandes à manger. Parce que là, je suis en situation de faim. Là, c'est la pharmacie. On a plus de viande, je crois. Elle est pas dehors la viande? Ah, dans la caisse. J'ai pas checké la caisse. Je te fais Là, il y 3. a J'ai 20 mis viandes. un... J'ai lancé 3 viandes à la goutte. Ok, est-ce que tu peux mettre les steaks crus? Mais j'ai mis. J'ai fait à cuire déjà. De quoi? Ah merde, j'ai pas débloqué le café là. Ok. J'ai mis les steaks crus, les steaks cuits à cuire. Putain, Zano, t'as trop Et bien on aura, entrepris toi. malgré que t'aies fait ça, il nous en reste 20? Non, 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 j'ai les deux lancés là. C'est ceux que j'ai lancés. Enfin, j'avais que ça moi. Mais c'est qu'il y en a 20 dans la caisse là. C'est pour ça. Lance-les, je Ah, pense, hein. attends, où ça? Ici là, là dans cette caisse là. Ah oui, je suis con, putain, j'avais zappé. Je les lance séparément. Pas que faire. Non mais je crois qu'on a un jour complet, non?
Oui, mais tant qu'à faire. Non, mais tout à l'heure on disait ça va nous tomber dessus. Là le jour il va devenir rouge, non? Non, il devient rouge que quand ils attaquent, je me rappelle plus. C'est la nuit qui devient rouge. La prochaine nuit. Mmh. Ok. Oh, donc là faut bien que je reste. Bien que je remonte ma barre de faim. Ah, si on voit des animaux et tout, on va faire ça. Hein. C'est encore le bois, hein, avec tout ce qu'on a ramassé. Il y en a pas mal du bois ici, non? Ah, il y en a. Je crois que j'en avais vu. Ah oui, il y en a dans le coffre à Zano, là, il y en a 450. Je sais pas si je fais un... J'aimerais bien essayer un barbelé ou deux pour voir. La bibliothèque, il y a quoi? Ah oui, quand même. Ah, c'est les livres de Zano dans la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Et en fait, Dano, il avait besoin de bois la dernière fois et je lui avais dit ah, mais tiens, comme ça, tu récupères tes affaires. Ah merde, c'est con ça. Et franchement, Zano, tu vas progresser de fou là. Il y a au moins 6 bouquins pour toi. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais des trucs à récupérer. Et là, c'est bon. Le coffre est fait. On te charge la. La forge, hein, Zano. Ouais, tu mets tout dedans. D'ailleurs, ici, il y a de l'acier forgé. On va peut-être la mettre dans la forge, non? Pardon. Je vous propose de faire deux caisses. Une caisse de brut et fini. Et... Ouais. Ouais. Comment on va faire ça? Bah, du coup, ce sera brut. Et fini. Ok, je vais enlever tout ce que j'ai sur moi là. Par contre, le fer, je pense qu'il faudra qu'on en garde un petit peu de temps en temps en brut, parce qu'il y a quand même des crafts qui se font comme ça. C'est quoi ça là? C'est quoi? Tu fais quoi? J'enlève la partie métallique là, qui est juste là. Et tu veux qu'on enlève les pneus aussi? Oh non, je trouve qu'ils sont sympas. Peut-être que je devrais les enlever parce que le plancher là va peut-être taper dessus, mais bon, j'aime bien comme ça. Oh, mais j'ai pas vu que ça l'avait mis de travers l'échelle. C'est dégueulasse. Par contre, on manque un peu de torches quand même encore. Est-ce qu'on mettrait pas des barbelés devant ton truc de garage là comme tu l'as condamné? Il faut savoir les gars que les barbelés par contre on prend pas les quilles. Hein. Ouais, mais ça les ralentit. Ouais, mais je veux dire, il faut les finir parce que sinon on les. Bah, je pense que là devant, on peut peut-être mettre des barbelés autour du truc qu'il a mis. Ah, de toute façon, il n'y a plus de fer. Du fer forgé, j'en ai 21 sur moi. Là, du fer de base, il faut. Je vais aller démonter 2-3 trucs. J'en ai 30 sur moi. Alors, il en faut combien pour le barbelé? On va pas en faire 50, il en faut 8. On va récupérer quelques-uns. Elle est à côté. On a pas de tissu, les gars? Bah, t'as des rideaux partout. Mais je crois qu'il y en avait à un moment. Je vois pas grand-chose là. Qu'on refasse des clés à molette. On a pas mal de colle et tout. Ah, j'ai mon endurance. Bah oui, j'ai pas. Faut que j'aille manger là. Du coup, ça a du cuir. Alors. J'espère qu'ils viendront par là. Il y a des barbelés devant, faut faire gaffe.
Récupérer pas mal d'essence. L'essence, on s'en fout pour le moment. Je sais pas trop. Ouais. Voilà. Champignon goth, t'en fais quelque chose ou pas? Je crois pas. Réfléchissez, mais. De quoi, en graines, tu veux dire? Ouais. Bah, je les plante après. Ah, il y a de l'aloe vera là, pile au bon moment. Ah, j'en ai récupéré 5 avec ma compétence. Et j'ai 10 aloe vera là. Et je vais venir faire des bandages. Juste avant le. Et 5 par plant avec ma capacité d'agriculture. Je te les mets dans ta trousse. Et j'ai récupéré qu'une graine par contre. Mais par contre, je peux faire des graines maintenant, on avait dit non? Je crois. Ouais, je sais plus. Si, si, comme j'étais niveau 10. Il en faut 5 pour faire une graine. Ah, ouais, c'est chaud, hein. C'est pas très rentable, hein, je trouve. Je vais regarder les 10 aloe vera vu qu'on est bientôt à une. À une vague. Pousse, pousse, le yucca aussi, c'est cool. Myrtille. Ok. J'arrive à. Voilà. Le petit poulet. Ah, moi ça fait toujours plaisir hein, quand tu butes ton poulet. En plus ça m'entraîne sur comment mettre le curseur. Ok, donc là c'est bon. Donc j'ai récupéré. Eh, 10 viandes sur un poulet, c'est pas mal hein. Ouais, ça fait 2 steaks. Il faut 5 viandes crues pour faire un steak? Ouais. Ah ouais, ok, j'avais pas du tout conscience de ça moi. Là, je pensais que les tas de planches et les palettes, des trucs comme ça donnait plus de bois que les arbres, mais en fait, pas du tout. Au mieux Ah aller ouais? taper les arbres. Ah ouais. Bon, en plus, si on va améliorer nos haches et tout, je trouve que la différence est pas folle, mais elle est quand même présente. Hein. Ah, d'ailleurs, il faudrait que je regarde si j'ai pas de les outils là, tiers supérieur. Maintenant qu'on a le. On a le la fonderie là qui marche correctement. Modification de la hache de pompier. Ouais, si, on pourrait faire des trucs comme ça là. L'électricité, c'est quoi, hein. Ça forge, colle, pièce oui. Là, il y a le brouillard en plus. Et la pluie. Ça nous aide pas beaucoup. C'était quoi qu'on avait fait dans notre première base qui commençait à donner manger? Il y avait la citrouille maïs, qui. Non maïs aussi? Je crois qu'il y en a du maïs. Je vais regarder là avec les recettes que le doc m'a apporté ce que je peux faire. Je pense que tu vas pouvoir faire des nouveaux trucs, mais on va manquer de matériaux. Bah ouais, c'est ce qui manquait déjà un peu, hein. À part faire des steaks. Là, j'ai pas mal de recettes, mais tout ce qui est ragoût et tout, il faut du maïs, il faut de la farine de. De je sais plus quoi, donc effectivement ça a bandé pas mal de. Il y a 5 maïs et des myrtilles et des œufs. Et je sais plus ce que j'ai planté, j'ai pas planté de maïs. Non. C'est les pousses de maïs OGM là que t'as? Non 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 je les ai pas en fait. Ni l'un ni l'autre. J'ai déjà récolté en fait je crois, parce qu'il y en a 5 dans le truc. Ah, je vais vous mettre les steaks d'ailleurs, ça fait faim. Hop. Il y a de la pomme de terre aussi. Au niveau boisson, là, on sera bien au moins pour la vague.
C'est la bouffe, faut faire gaffe quoi. Il y a un petit lapin. La lapin, ça donne ou pas du tout?30 en bouffe là. T'as quoi? Je suis niveau 30 en bouffe. Ah ouais? Ouais. Ça t'a donné de nouveaux trucs? Ouais, certainement, il faut que je regarde. Ah oui, après, faut que t'es sur l'établi. Après, en bouffe, ouais, à un moment donné, on a trouvé 5 ou 6 d'affilée là, c'était pas mal, hein. Ouais, mais c'est vrai qu'on les trouve souvent par groupe. Nourriture. Je suis échelon... ah, donc, du coup, je suis échelon 3 et je peux faire. C'est trop chiant que ça reste pas. Des smoothies yuka, donc ça on peut. Déjà, la bière là, je peux faire. Et le prochain truc, c'est les ragoûts de vagabond. Cool. La bière, je crois, c'est pour l'attaque au poing ou je sais plus quoi, ça donne un buff. Et on peut faire aussi du steak frites. Viande crue, pommes de terre, champignons, graisse animale. C'est peut-être plus facile à faire que le reste, ça, pour le Ah coup. bah tu vois, champignons, doc. Ok. Il y a quoi en ressources là de dispo? Ah, on n'a rien en ressources hein, pour faire la bouffe. C'est le lapin est presque plus dur que le poulet, quoi. Le récupérer là. On n'a pas grand chose, ouais. Et de toute façon, après la vague, ça serait bien de se faire une petite expédition à notre ancienne base. Non, j'ai pas montré. Dans la ville. Petite ville. Et on était où nous? On était pas loin. Goth, il arrive sur toi, il arrive sur toi. Il est juste derrière. Les champions, on en a Là, pas? derrière toi, derrière toi. Ouais, je l'ai mis dans l'aglo. Des champignons, on en avait dans l'ancienne base. Il est dans mes plantes, non? C'est bon. J'étais pas sûr. Ça a couiné, Ouais. Ah, mais il m'a coûté beaucoup de flèches. Hein. hein. Il donne de la viande, lui, ou pas? 10. Et c'est toujours ça. Hein. Du coup, on a re de quoi faire des steaks là. La viande crue, du coup, il faut la laisser de côté parce qu'avec les steaks frites, là, ça demande de la viande crue. Ok, donc on met aussi la graisse animale dans le coffre de bouffe maintenant alors. Ouais, j'ai fait la rangée en fait en bas du coffre de bouffe pour faire les steaks frites. Tu veux des plumes, Il manque Doc, ou les pas? champignons. Ouais, toujours moi. Là, je te les mets à tes pieds. Merci. Zano, j'ai des bouquins pour toi aussi. Ah Et Got ouais. aussi, du coup. Attendez, et la graisse animale, il nous en faut quand même un petit peu pour faire des torches, hein, parce qu'on voyait que dalle. Tiens, Got, je t'ai foutu les bouquins. Dans la bubli. Électricité. Ok, je suis à 11. Accro à la technologie, c'est quoi ça? Entretien de vos robots. Je ne sais plus. Par contre, il faut champignons, c'est ça tu disais, Zano? Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Je vais aller voir peut-être dans la forêt derrière. Parce que là, faut. Moi, il faudrait que je mange vite fait avant que la nuit tombe. Ah, ça y est, le jour 14, il est bien rouge là. Ah cool, et merci pour les plumes. Hein. Ah, j'ai tué le poulet. Hein. Champignons, on peut en trouver sur les arbres, non? Alors que je démonte une bagnole. D'ailleurs, je voulais voir. Ah ouais, là, on était Besoin là. de quoi, Zano? J'ai besoin de ressorts. Là, j'en avais pas mal des ressorts. Alors, on n'en a pas tant que ça. J'ai cherché dans les coffres, on en a 6 au total. Et t'en faut combien? Juste pour faire les têtes de hache de pompier, il en faut 10. Ah ouais. Et on peut les craft, non? C'est pas ça, ça se craft pas? Les ressorts, moi, je sais pas. Je vais pas regarder, effectivement. Non, il n'y a pas de craft pour les ressorts. Les champignons, je suis sûr d'en avoir trouvé directement par terre, non?
Si on pouvait avoir un plat chacun là avant. Putain, j'ai des lags de fou. Ah, graines de yucca dans un petit truc pourri de par terre. On sait ce que ça redonne comme boisson, le yucca. Moi j'ai 5, 9, comment ça s'appelle ça? Fleurs de gerbe d'or là. Ah bah mets-les dans le feu, ça je les ferai les ferai l'été. Agriculture, parfait! Dans un petit sac à dos par terre, c'est fou ça! Ouais, par contre, niveau champignons, c'est pas fou quoi. Je suis presque sûr d'en avoir trouvé. La zone a été bien nettoyée quand même, hein. Croise pas beaucoup de zombies. Ouais, je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit, tiens, le doc est passé par là. C'est clair, le nettoyeur. Le Dyson. Ah, je me rappelle plus, je suis pas sûr de moi. Du coup, je sais pas si je fais pas tout ça pour rien là. Zombies. Oh, je me rappelle plus. Comment ça m'a mal fixé? Suis derrière l'hôpital. Ah, va falloir qu'il travaille sur les recherches de craft parce que c'est un enfer à chaque fois le machin. Ah, il y a quand même 2-3 trucs sur l'interface, je trouve c'est compliqué. Hein. Pourquoi je retrouve plus le machin là? Genre dans la forêt, il n'y a pas de champi quoi. Tant pis. Ouais, on pourra faire ça peut-être quand même. Alors peut-être pas à 3, mais au moins 1 ou voire 2 peut-être. Quoique. Aller à notre ancienne base et aller récupérer tout ce qu'on a besoin, non? Ouais. On y va à vide. Ah, c'était au tout début de la game. En plus, un jour où j'ai spawn, j'ai trouvé des champignons directs, mais je me rappelle plus sous quelle forme. Si c'était dans un sac, si c'était au pied des arbres, je me rappelle plus du tout. 228. Et les animaux, par contre, pareil, vous avez fait rasien, il n'y a plus rien dans la forêt. Hein. Un poulet. Fait de la SMR, Goth. Ouais. Oh! J'ai fait de la ASMR en mettant une flèche. Non, mais genre, entre ses pattes, quoi, toujours plus. Rien, un petit cote-cote. Allez! Ça va te faire des plumes, ça. Je pense que si on a assez de steak, on pourrait peut-être on utilise un ou deux avant la vague et après on fera que du steak frites. Graines de myrtille. La colle, à un moment donné, j'ai l'impression que c'était une ressource hyper rare. On en a pu savoir quoi en foutre. Hein. Oui, c'est vrai. Là, il y a un chantier ici. Je me demande s'il n'y a pas des trucs à récupérer.
Pour le temps que ça m'est récupéré, certains petits tas d'ordures, franchement, c'est rentable, je trouve. Hein. Je vais même trouver des bouquins dedans. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et hop. Donc là, on a 30. Donc ça fait. Attends, tu m'as dit 10 ou 5? Ok. Et il y en a déjà de fait? Non. Là, il en reste 4. On va peut-être lancer un stack ou deux. Pas plus, mais. C'est sûr que je vais avoir faim avant la vague, moi. Je vous mets tout dans la caisse. Là, je vais aller planter les graines. Je crois graines de yucca, c'est important. Ah, là, ça pousse, ça pousse. Unité étourdissement, exactement celle que faisait Papy, 30 points. Ah ouais. Dans un magasin de bouquins là. Dans la ville? Non, un peu à côté. Ben, pas loin de là où on est. Chercher des animaux, je suis tombé dessus. Est-ce que je pourrais parer un peu mon couteau avec ça là? Ah, se répare avec un kit de réparation, le couteau de chasse, c'est abusé. Oui, c'est ça que je voulais regarder les couteaux, je pense que je peux en faire des pas mal aussi. Je vais aller mettre ça dans ta forge. Couteau de chasse niveau 1, je peux en faire, ouais. Ah, le nitrate, t'en auras besoin aussi. Faudra qu'on répartisse entre l'agriculture et. Quoique, non, on peut mettre tout dans ta forge. Et moi, je viens faire mes blocs d'agriculture ici. Arrache-clou. Ça a l'air pas mal aussi, ça. Ah, oh, la colle. Là, je garde sur moi. Là, il me manque un outil de récolte pour pouvoir faire les haches de pompier. Cool. De toute façon, on va bien finir par passer. Un autre tiers, franchement, c'est Ah juste que là on a putain, pris du pour en retard. faire juste après. Ah ouais, ok, bah il me manque juste un bouquin pour faire hache de pompier, pelle en fer et pioche en fer. Ok. Et c'est quoi le bouquin qui te faut? Le truc de d'outils là. Ok, je t'ai dit si j'en croise un. Est-ce que vous pourrez faire juste 3 steaks par exemple? Ça fait la moitié des steaks crus. J'étais parti pour. Parfait. Ah, y'a. Ouais, y'a du monde qui a spawn à l'hôpital. Oh, ils sont nombreux, hein. Ah oui. Ah, il y a eu le respawn, là, je pense. Ouais. Ça veut dire que les chiens vont peut-être pas tarder non plus, quoi. J'aimerais bien les attirer vers ton garage, là. J'ai mis des barbelés devant. Mais toi, du garage, je tire l'heure dessus. On va essayer, ouais. J'ai pas fermé la porte, fais gaffe, hein. Tu veux que je fasse des steaks avec quoi? Y a pas de steak? Si dans la. Ah mince, je me suis trompé, tiens. C'est merde. Attends, j'ai chassé le poulet. Hein. Bien sûr qu'avec le poulet, on fait du steak frites. Allez, y en a 8 du coup qui sont en cours là. Par contre, je vais faire du bruit pour les attirer, voir ce que ça donne. Ah mais j'ai enlevé mes balles, ça c'est intéressant ça. Ils sont pas venus, ils ont pas vu. Et venez! Vais chercher des balles. Non mais j'en ai moi si tu veux. Vas-y, vas-y, tire-leur dessus là. Bugué, je pense. Hein. Ils viennent pas? Bah c'est que surtout ils prennent pas la balle, donc je pense que. Ah si ça y est là, c'est bon, elle arrive. Ah bah une quoi.
Ok, ils arrivent. Coucou. Ah, les autres ils viennent pas, ça se trouve ils vont passer par l'entrée principale, faut faire gaffe. Allez, viens dans les petits barbelés, petite. Elle tape pile là où il n'y en a pas? Je sais pas, j'ai l'impression que ouais. Ouais, je crois, hein. Ah, ils sont chez nous là. Ils sont à la porte d'entrée. Ah ouais, puis ils sont nombreux là. Ils sont sur les réseaux sociaux? De quoi? Ils sont sur les réseaux sociaux? Ah ouais, là c'est. Non, il vomit, il vomit. Allez, tiens. Mais t'es pas mort. Ah, des lances là. Des lances Le bouquin des lances, ouais. sur un mec. Ouais. Ok, parfait. En plus, j'avais une porte d'avance. C'est pas beau ça. Ouais, Bon, par contre, ouais, s'ils viennent pas en vers les barbelés, c'est dommage. Elle s'était mise où alors? Ah, mais elle a cassé un barbelé. 1, 2, 3, 4. Ouais, je crois bien qu'elle a cassé un barbelé déjà. C'est pas fou alors. Faut que je reprenne des balles par contre. Ouais, le truc de stacker dessus en fait, c'est chiant. Parce que du coup, tu refiles tout ce que t'as. Faut que je recharge tout là. À 13h28 là. Ah, mais il en reste plein là, d'accord. Ouais, je vais arracher le bras. Ouais, j'ai tué. On va se débarrasser d'eux parce que je pense qu'avec la horde ils vont venir, non? Ça se passe comment? De quoi? Est-ce que les zombies qui sont à proximité, eh bien quand la horde se déclenche, ils viennent? Ah, je sais pas. Il y a moyen. Hein. Ouais, donc on va s'en débarrasser. C'est les grosses dames en bleu là qui reviennent de soirée. Putain, tout ce qu'elle a pris, elle est pas morte. Ça y est. Rends-moi tout ça là, toutes mes flèches. Et il reste un gros qui s'est barré, je sais pas où. Voilà. Genre, tu prends pas ça. 3,5. Vous allez comprendre de voir arriver. Hein. Beaucoup de choses. Un peu. Ah, j'ai plus qu'une flèche. What the fuck, c'est quoi cette merde? Ah ouais, mais en fait, je me suis fait chier à faire ça alors que c'est de la merde. Ah ouais? De quoi tu parles?
C'est pas solide. Ouais, c'est bon. On prend des flèches. Oh, par contre, faut que je leur mange. Hein. Alors. Ah, il n'y a plus de bois. Les steaks n'ont pas cuit. Ah, si, t'en as fait deux. Non, mais j'ai trop faim. Je suis encore dans le mal. Hein. Got. Alors, du coup, que je réfléchisse. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ah oui, l'agriculture, oui. Ça, je l'ai déjà, vous pouvez le prendre. Ça, c'est pour toi. Échelon 2, graines, myrtilles, houblon. Pièce électrique, ça aussi. Ça, je crois que je l'ai déjà. Là, dans un truc. Extraction. C'est déjà pas mal, je crois. C'est déjà pas mal. Après, tout ce qui est système D et tous ces anneaux. Je crois. Un anneau. Je sais pas, attends, je regarde sur les comptes. Ça Attends, s'appelle mais comment? t'es passé par où là? Hein? Tu fais quoi? Je suis sur le toit. Ah, t'es passé par le toit? Non, j'ai mis une échelle là. Ah, j'avais pas vu. Du coucou, regarde, tiens, t'as système D, je crois que c'est toi. Si j'avais un marteau, Alors, ça c'est alors. toi. Ah, le marteau, je crois que c'est moi par contre. Ouais, C'est les le truc des explosifs c'est outils. toi. Ouais. Ah bah nickel, Non, on non, va non, non, pouvoir faire les les outils c'est haches. ça. Les outils c'est Bible des outils. J'en ai un. Ah bah Bah cool, il va nickel. pouvoir faire tout le reste là. Mais par contre, les masses et les battes, je crois que c'est toi aussi. Ouais, c'est moi. Ouais. Les véhicules et quatre bouffons. Tiens. Ah mais t'es là, j'avais pas vu. Oh, what the fuck? Et Got, j'ai oublié un Pile. truc aussi. Utiliser. T'es où? T'es là. Je suis parti. Je Ok, reviens. bah je te le mets dans le coffre de la La bibliothèque. bibliothèque. C'était électricité pour les débutants. Ah oui, c'est l'électricité. J'espère que ça va pas me prendre la tête, ça. Les animaux et tout, ça se fera, hein. Va falloir faire la migration, nous aussi, hein. Je suis 10 en véhicule, là. Je pense que je peux en faire des nouveaux alors qu'on n'a même pas fait les premiers. Il nous manquait quoi déjà? Les cadres. Ah, c'est tout ce qui est les cadres et tout, ouais. Des résidences qui ont même plus de crânes quand on les a faites. Ouais. Ouais. Oh là là, graines de yucca encore. Ça c'est trop bien ça. Est-ce qu'on a beaucoup de fer forgé par hasard? On a un petit peu. Tu peux construire quoi? Une arbalète. Ah ouais. Il m'en faut 30. Ah. Faut pas qu'on ait ça. Il nous manquera de l'argile uniquement. Regarde Ouais, dans mon l'argile, coffre c'était parce de... que je voulais récupérer, il en manque un peu. Dans mon coffre de jardin, il y en a peut-être un peu. Mais par contre, c'est vrai que je voulais refaire des bacs. Ça peut attendre. Je vais aller en loot. À la pelle vers l'eau? Ouais, par exemple. T'as des bonnes pelles? Tu peux nous faire une bonne pelle, Got? Zano, pardon. Eh ben attends, faut que je regarde. Ah, j'ai plus... Mon arc est cassé.
reste des... Tu Ah, veux il me toujours reste passer une un flèche. arc? Non, mais Attends. il était niveau 5. Ah bah, je Ouais, peux le mais moi aussi réparer, j'ai c'est bon. des. Par contre, c'est des flèches qu'il va me falloir. Bah, attends, tiens, tiens. T'es où? Mets-les dans la bibliothèque, s'il te plaît. On a quand même bien vidé les maisons autour de chez nous. H 12 là, peut-être commencer à se dire que bon, ça approche. Oh là, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Là, cette maison, elle est... Il y a du monde encore, hein? Trouver des pommes de terre. La caisse à armes, c'est laquelle déjà? Je crois qu'on n'en a pas fait dans cette deuxième base. Ok. Je crois qu'à l'étage, ça s'excite bien là. Je vais revenir tranquillement. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en munitions? Oui. Petite graine de yucca. Pousse, pousse. Je drop un arc niveau 5 primitif. J'en ai déjà un niveau 5. Gauche. C'est toi qui me l'avais donné d'ailleurs. Ah ouais, l'argile, même moi, il m'en manque un. Hein. C'est fou, hein. Graine de citrouille, on va mettre. Et une graine de yucca. Hop. Ouais, le jardin prend forme, hein. Là, j'ai de l'eau croupie. Patate. Et farine de maïs. T'en faut de la Farine de farine, maïs. Zeno? Ah ouais, il faut, ouais. Je crois que j'en ai balancé, mais autant comme autant quand on a fait notre petite excursion pour trouver la nouvelle base. Ah, ça devrait peut-être pas tarder, je pense. Je crois que c'est 22. Je crois qu'elles peuvent se déclencher un peu n'importe quand. Ça, tu peux le régler dans les trucs du serveur. Ouais. Ouais, tu peux faire en sorte qu'elles se déclenchent même 2 jours, je crois. Juste, tu sais pas quand. Mais on a une double porte en fait ici, j'avais même pas capté. Du Pote, houblon. je t'ai filé les flèches. Ok, ouais, dans la bibliothèque, je vais les chercher. Et Zano, je te mets du houblon. Je sais pas si ça te sert à grand chose, mais. Houblon Ouais. pour faire la bière, je pense, Ouais, hein. je pense, ouais. Je peux prendre le pain de maïs ou quelqu'un est en problème de nourriture? Moi, je suis très très bas en nourriture. Ah, je te le laisse. Suis pas haut non plus, quand même. Ah, je pense que bouffe, c'est vraiment le truc qu'il va falloir se pencher dessus après la vague. Donc on a ce qu'il faut au niveau compétences, ça va être au niveau matériaux qu'il faut récupérer. Après, l'agriculture est bien lancée là. Il va falloir qu'on aille faire une expédition argile aussi, Doc, et ça me servira aussi pour le jardin. Cache.
Ouf, ah oui, tu m'as fait quelques flèches. Ouais, ça va. Et tu sais qu'à un moment dans Rust, Doc, je sais pas si t'as connu cette époque, tu savais qui avait créé l'objet, et du coup tu partageais l'XP avec le créateur de l'objet. Ah, quand tu tirais? Ouais, donc là en gros chaque flèche que tu me fais en tuant un zombie, ça te donnerait de la l'XP aussi quoi. Ah, quand même. Ah, c'était drôle à un moment dans Rust, ouais, tu savais qui avait l'objet, donc quand tu piquais des objets aux mecs, leurs arcs et tout, alors c'était pas 50-50 hein, mais ils avaient une petite partie de l'XP. Même si tu piquais une arme à un mec. Ah, si tu piquais une arme à un mec, ce mec-là, même si tu le tuais, eh ben si toi tu faisais des kills avec, il avait un petit peu d'XP. Ah oui, c'est particulier quand même. Ouais, il me semble hein. Il y avait de Il me manque l'XP des dans torches, les Rust? gars. Ouais, à un moment donné, ouais. Pour Il manque apprendre des les torches à schémas et l'endroit. tout. Ah ouais. J'ai même pas connu ça. T'es Je sûr? me suis pris trop. Ah non. Que tu sais, à un moment, s'il fallait débloquer les schémas, il y avait une sorte d'XP par rapport à un pourcentage et tout. Non, non, j'ai pas connu ça. Ça se trouve, je dis de la grosse merde. Vous allez dire que je suis toxico, mais vous voulez pas prendre des stéroïdes? Ah oui, peut-être. Tu m'en prendras sur moi, je vais attendre que la vague arrive. Bah, par contre, je pense que cette fois, j'annoncerai pas la fin de la vague, je vous laisserai le faire. Dis ça Bien comme vu. ça. Got, je t'ai mis 10 bandages aussi avec les médocs. T'as pas pu en faire l'aloe vera? Attends, j'ai pas vu. Il te faut combien d'aloe vera pour un bandage? Ça coûte beaucoup, hein. C'est Attends. Ah, je peux en faire que deux. C'est C'est 5. 1 pour 4. Hein. À 1 pour 4. Par contre, maintenant, moi je les récupère 5 par 4, 5 par 5 pratiquement l'aloe vera. À chaque fois que je vais récolter. Là, je vais pouvoir faire deux bandages, je pense. Bah, gardez-les, hein. Je vais prendre le J'en ai un, moi j'en ai un. stéroïde. T'en as un? Bah, attends, tiens, je te drop comme ça. Le mien. Tu le drops par terre ou dans le truc? Dans la trousse, dans la caisse. Zano, je t'ai mis un bandage médical aussi pour toi. Yes, merci. Je vais peut-être mettre une torche ici. Hop, pour qu'on se souvienne de là si on veut. Ok. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien qu'on fasse d'autres torches quand même. J'en ai un peu sur moi là. Tu veux les mettre où? Bah, attends, je vais vraiment faire. J'en faire 6. Là, j'ai éclairé la tour qu'on a faite, la petite tour. Histoire qu'on y voit un Putain. minimum. Et il faut commencer à s'éloigner pour avoir du bois. Ouais. Mais après, on a des graines de chêne et tout. Je sais pas si dans quoi je dois les planter, si je peux les planter par terre directement. Ouais, tu peux les planter par terre direct. Bah, faudrait qu'on se fasse à un endroit pas trop loin, mais pas trop près, que ça nous gâche pas la vue. Ouais. Vous avez vérifié que tout ce que vous pouviez utiliser était rechargé. On fait les blocs de toit pour les bâtiments. Triangulaire et tout, je sais pas. C'est pour ça Tu que moi ma maintiens tour appuyé. elle est comme ça. Hein. Tu maintiens appuyé? Tu maintiens appuyé et en fait ça te propose Sur le bloc? tous les ports possibles. Non, c'est quand avant que tu le poses, tu fais clic droit, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Tu fais clic droit sur quoi? Sur l'objet que tu veux. Mais faut faire bloc de bois ou bloc de bâtiment? C'est quoi la différence? Je comprends pas. Bloc de bois, en fait, c'est un bois directement. En fait, c'est déjà un bois et t'as pas besoin de le crafter. Et bâtiment, c'est un bâtiment. Ah mais C'est moi quand je fais clic droit en fait ça l'upgrade. non, mais attends. Je vais essayer d'en faire. Bloc de bâtiment. Moi non plus ça fait rien. Ah non, R alors. R. Ouais, c'est ça, c'est R. Ah oui d'accord. Forme. Ah mais là j'ai fait une tour toute pourrie moi comme ça là. Il faut que tu aies un truc dans les mains en particulier. Non, tu prends le bloc et tu mets R.
Tu maintiens R comme si tu voulais changer les flèches. Ah ouais, tu peux faire des escaliers. D'un bloc pourri, tu peux tout faire, quoi. Merde, je pose un bloc en plein Carrément milieu. une fenêtre et tout. Ah, mais une passerelle. Et il y a quelqu'un qui a posé une porte en bas là, c'est un scandale. Hein. C'est peut-être moi, j'ai posé des portes. Et la porte elle s'ouvre sur rien, elle ferme rien. Non, alors non, je pense pas. J'éclaire un peu le parcours, hein, Goth. Ouais. Là, ça tombe pas, ça. Ah, c'est mon poste d'observation avancé. Hein. On n'a rien éclairé dehors. Peut-être le mettre en bas d'ailleurs. Tu crois qu'il faut éclairer dehors? Ouais, je vais me mettre quelques torches. Ah ouais, donc la construction, va falloir que je m'y penche, mais elle a l'air assez complexe, c'est cool. Mais attendez, mais on n'a pas fermé ici, Goth. Oui. Regarde ici là. Attends, je descends. T'es ouf. Là. Là, ici là. Il y avait deux rideaux et c'est tout. J'ai plus de blocs. Vais les mettre. Ah, ça aurait été quand même. Ah, t'as bouché là quand même. Il y a un panneau de bois qui s'est mis. Bah, je sais pas. Ah, j'ai soif. Ça, je peux prendre par contre. Et c'est fou à la vitesse où ça va quand même. Donc Zano, il reste dans sa tour et il bouge pas? Moi, je vais me mettre dans le garage au calme, ouais. Ouais, je t'ai mis des barbelés, j'espère que ça sera rigolo à voir. Et moi, si je me mets là-haut, est-ce que ça va t'empêcher d'avoir les zombies? Et je te fous un peu de lumière, Goth, Zano, ou pas? Normalement, ouais, si, ouais, peut-être tu peux en mettre quelques-unes. C'était peut-être un peu sombre tout à l'heure. Après, s'il commence à rentrer en bas. J'ai une double porte normalement ici. Voilà. Et bam. Moi, je me suis fait un truc de maître nageur là. Je vais les éclairer. Faut pas que je tombe, hein, par contre. Attends, mais je vais venir avec toi, mon gars. J'ai mis une porte aussi qui sert à rien, mais bon. C'était pour voir si ça pouvait faire comme Rust, tu sais, système D pour te faire des protections avec les portes entrouvertes. On a fermé toutes les portes? J'espère. Après Zano, lui, il est safe hein, parce que il est même s'il passe, ils sont entourés de portes en fer, hein, il est bien. C'est vrai que nous, Goth, on aurait pu mettre des petits barbelés en bas là pour éviter qu'ils montent. Je crois qu'il y a des zombies là. J'entends du bruit. Ah, On en peut. plus, on a une bonne vision sur Zano, hein. Sur les mobs de Zano. Ouais. Je me suis fait une petite avancée comme ça. Je vais tomber, c'est sûr. Mais par contre, ouais, mais si on met des pièges en bas, Doc, j'avais peur que si on fasse des tours, tu sais, avec le chemin logique, on s'auto-bloque. Ça y est, non? Waouh. Il y a un zombie qui essaie de péter là, je peux l'allumer? Attends, mais c'est toi, Zano? Putain, t'as failli te prendre une flèche. De toute façon, il va y avoir la petite musique, non? Pense, hein. C'est dans pas longtemps là. C'est à 22 h? Ouais. Bon, peu importe ce qui passera cette muraille, vous tiendrez vos positions, hein. Bien sûr. Je me suis rendu compte que j'ai qu'un péteux pour faire les trucs à distance. T'as qu'un flingue? Hein? T'as qu'un revolver? Ouais.
Attends, mais putain, c'est con parce que moi je pouvais faire des pistolets. C'est quoi la différence? C'est plus puissant. Ah non, j'ai pistolet en tuyau, moi. Ah oui, c'est ça. Moi je pouvais faire des revolvers. Hein. Enfin, des pistolets. Ok. Ah ouais, mais ça demande au taquet de ressort. On pourra presque aller voir les anneaux là. Ah, les ressorts, c'est chiant à avoir. C'est vrai qu'en bouffe, c'est pas la panacée. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Alors qu'on en... essaiera de... Tu me pousses pas côté. Je voulais mettre une barrière sur le côté là, mais... J'arrive pas à la mettre. Bon, allez, je vais avoir faim là encore. Ouais, pareil, hein. Très fin même. Ok. Allez, let's go. Ah là, c'est heure fixe, on a réglé heure fixe, d'accord. Ça tape là déjà. C'est vrai? Ah ouais. Bah, ça a tapé de l'autre côté, quoi. Pile où on n'est pas, quoi. Il est en train de se prendre les pièges, gros, et il est pas bien. Ah bah, il est mort des pièges direct. Non, 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 je l'ai mis une carreau d'arbalète. Il y en a de l'autre côté aussi là. Ouah, on n'y voit pas grand chose. Hein. J'y vois rien du tout. Ouais, il rentre dans la maison de l'autre côté en fait. De l'autre balcon. Ah oui, ouah, c'est décevant. Hein. T'es mis où, Doc, du coup? Je suis sur le toit de l'autre côté. Ouais, j'ai fait ma tour de garde, puis là où ils étaient pas, j'ai bien fait de faire un petit balcon là. Je les vois pas. Ils ont réussi à rentrer dans la maison, non? Vu le bruit que ça fait. Ouais, y'a moyen. Mais restez là, les gars. Oh putain. Ils sont où? J'ai merdé, j'ai merdé. Ils sont là. Il faut qu'on les repousse pour. Ouais, là, je leur tire dessus. Te décale pas trop vers la fenêtre, hein. J'essaie de refermer la porte. Ah, oh, vas-y, je meurs, mais j'ai fermé la porte. Oh putain, ils sont réussi à passer sur le toit, Doc. Bah, pas de mon côté. Je me suis mort. Oh oh. Zano, tu devrais retourner dans ton bunker. Est-ce qu'on va dans le bunker, Zano? Ouais, je vais dans le bunker. Le bunker il... Oh, mais il rentre dans le bunker. Protect the president. Oh là là là, ça lag en plus.
Mets-toi avec moi là sur le côté, je pense. Hein. Ah ouais, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Je suis aux pompes là, moi. Oh, y'a des liens, j'entends des liens. Attention, Doc. Hein. Ouais, je me fais attaquer. Derrière, sur le côté. Oh putain. Oh non, les chiens. En fait, ils sont pas cons, vraiment, ils font des trous partout, quoi. Ah, mais c'est bien, ça fait de... Nous, ça nous donne de l'XP, quoi. Sur le. Sur comment faire pour les prochaines fois. Zano, tu peux me dropper ton flingue que je le répare? Ouais, je veux. Non, ah ouais, c'était. Ça a été une décision dure à prendre. Ah, ils m'ont eu. Putain. Ah ouais, ils t'ont eu. Tu m'as tué? Ah, je t'ai mis le plus bel headshot de ma vie, quoi. Oh non. Je trouvais qu'il m'avait tué vite aussi. Ah ouais, non mais en fait, et vraiment, tu t'es décalé au dernier moment et là, la balle est partie en pleine tête. Ouais, je peux rien dire, hein. Je vous ai déjà fait vivre ça. De l'autre point de vue. En tout cas, je suis bien en bouffe, moi. Je sais pas vous, mais... Ah, moi, je suis dans la sauce. Tu l'as droppé? Tu l'as le flingue, Goth? Il est là. Regarde toi. Je peux récupérer mon sac? Ouais, je l'ai. Le coup du zombie. Ok, il faut quoi? Il faut des tuyaux. Il y avait des cocktails Molotov à un moment, personne les a pris? Attention, attaque droite, God. Mais ils ont réussi à monter ces FDP. Wouah! J'ai pris une bastos. Je m'occupe de ce dehors pour le moment. Oh là là, la recharge qui m'a tué, quoi. Je les ai tous emmenés. Ouais, ils sont tous sur moi. Oh, oh non, j'ai les chiens. Ah, je vais mourir. Oh, cette horde que t'as au cul, mon ref. T'as pu me réparer mon flingue? Ouais, il est dans mon cadavre. Mais ils me suivent tous! J'avais fermé la porte, comment c'est possible? Ah! Oh, j'ai respawn super loin, putain. J'ai respawn à 600 mètres. Compliqué, hein. On a quoi les cocktails Molotov? Oh mais y'a un yinche. Y'avait un yinche. Oh y'a d'autres yinches. Ouais, j'ai eu trop peur. C'est pas moi qui t'ai tué, quoi. J'ai tué là encore un chien, mais je vais mourir. Tout ça pour ça, quoi. Ouf. Je suis tombé entre deux zombies là. Ah, j'aurais dû mourir sur le toit, je suis bête. Au moins sur le toit, c'est plus simple. Ah, c'est dur, hein. Oh, l'hémorragie, ça fait mal, hein. Oh merde. Ah
Mais tout le monde est mort là. Oh, il y a une biche à côté là. Ils sont dans la forge de Zano, merde, de l'humiliation. Genre, c'est notre bunker. Ouais. Ils sont en train de crafter des outils d'ailleurs. Jusqu'au bout, ils nous narguent. Vous remontez sur le toit là, vous préférez vous battre où? Moi je trouve que sur le toit c'est pas mal parce que du coup le cliff là il leur... ça leur fait vraiment chier. Galère. Non, moi je suis mort, je suis mort. Et God, et... je veux pas dire, mais je suis mort à cause de toi. Pourquoi? Parce que j'ai voulu fermer la porte du garage en bas là, au sous-sol. Ouais. Et en fait je me suis tourné, j'ai galéré, ça a fermé la porte. C'est-à-dire ça n'a rien fait. Mais pour moi tu voulais fermer la porte? Non, non, pour moi, pour moi. Bah pourquoi tu dis que c'est à cause de moi? Parce que la porte elle était pas placée, tu sais. Oh là, ah. La porte elle était mal placée là, là, là. Ah mais je sais pas si c'est moi qui l'ai placée hein, au bout du compte. Et vraiment la porte. J'ai galéré à la fermer, les zombies sont arrivés, ils ont fait. Il est con. Oh non. Ah, on voit les points de vie du god qui diminuent. Ah ouais là c'est compliqué là. J'ai une hémorragie. Ouais, aïe, je suis mort de ça, hein. C'est fou hein. J'avais pris 20 secondes. Ouais, moi j'ai pris 20 secondes tout à l'heure aussi, ça fait mal. Ah, c'est pas beaucoup plus épique que la vague 1. Je pense que pour la prochaine vague, il faudra qu'on prenne des trucs pour réparer les objets qui pètent. On peut avec notre hache réparer quand il y a à proximité de zombies? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Normalement oui. Je pense qu'il faudra pas hésiter aussi à faire un petit couloir avec des barbelés, des pièges et tout. Hein. Ouais, ouais, là on était vraiment radin sur les barbelés. Ah, puis tu sais, le chemin logique en fait, faut qu'il soit blindé de pièges. Faut que ça leur coûte. Hein. Oh, mes anneaux, putain, j'ai failli te mettre une balle quoi. En me disant, j'envoie. Ils en sont où là? Là, t'as récupéré ton flingue, Zana? Ah non, tiens. Non. Merci, bien. Vous êtes sur le toit là? Ouais. Ouais. On approche de la fin ou pas? J'ai posé une question. Hein. J'ai pas, j'ai pas affirmé. Hein. Ils sont où là, ceux qui tapent? Il y a une biche en plein milieu là. Ah non, c'est un biche ou une biche? Bah, c'est bon, je vais finir l'arbalète à note. Ah non, je l'ai fini à l'arbalète. Ah, mais ça y est, t'as fait ton arbalète. Ah, c'est comment alors? Ouais, c'est puissant. Hein. Ça met des patates, mais ça met un peu plus de temps à recharger quoi. C'est bon les gars, j'ai vu la vie. Par contre, ils pètent pas les murs en briques là? En pierre? Ils y arrivent pas. Ah bon? Je pense que si, ils sont surtout passés par côté quoi. Ils sont passés par côté ou qui étaient restés en bois? Ah bah vas-y hein, la prochaine fois on va farmer de la pierre à fond. Parce que là ouais, clairement, ils ont fait un petit trou mais vraiment c'est... ils ont bien codé les machins. Hein. Ouais. Ouais ouais, franchement faut dire ce qu'il y a ouais. Et une fois qu'il est en bois, tu peux l'améliorer en pierre ou t'es obligé de passer directement par de la pierre? Non, non, tu le mets en bois et ensuite tu l'améliores en pierre. Mais par contre, pour faire en pierre, il faut les blocs de pavé. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, il manquait l'argile pour le faire. D'accord. Donc là, on sait pas si c'est fini, quoi. Si, si, je pense que c'est fini. Quoi. Ok, j'ai rebouché directement les petits trous, là. Je suis mort 22 fois hein.
En tout, hein. Bon, par contre, là, j'ai tout récupéré, quoi. Zano, Zano, il donne, il donne. c'est toi qui as le pouvoir. Et pour une fois. Dernière fois que je teste ça, non? Teste quoi? Ah oui, d'accord, ok. Oh, j'ai récupéré une graine de yucca, ça c'est nice. Bon, j'ai récupéré 4 yucca. Ça me fait vraiment de la peine parce que du coup, j'avais mis une énorme porte blindée de chaque côté. Les mecs, ils sont passés juste à côté de la porte en fait. Ils ont même pas touché la porte. Et ça d'un côté, c'est cool quand même. Ça montre qu'ils ont de la ressource et que tu peux pas les piéger trop facilement, quoi. Que c'est pas un vieux tower défense. Hein. Ouais. Bon bah voilà. Hein. C'était pas mal. Hein. Non, c'était. Ah, vas-y. Franchement, c'était presque mieux que la première vague quand même, je trouve, non? Ouais, c'est vrai que la première vague, on en avait chié. Est magnifique Par pour contre, de ce côté-là, conclure. il y a une musique qui repart, là, non? Non mais ça faisait ça Ouais, la il dernière parle fois, là. ça avait fait des petits bruits comme ça. Et à chaque fois, je croyais que ça repartait comme elle était venue en deux fois notre vague. Là, je pense que c'est fini, franchement. Je laisse mon flingue avec des munitions là. Le prenez pas s'il vous plaît, c'est juste parce que je vais aller farmer de la bouffe. La bouffe? Ouais, je vais aller chasser. Ça y est, la production de Yuka est lancée, Zano. J'en mets directement dans le coffre. Ça, c'est Et le pas mal, maïs, ça. la farine de maïs, c'est comment qu'on l'obtient? Je sais pas, moi je l'ai looté directement sous sa forme maïs. Got, j'ai foutu 4 champignons là. Ah oui? Des graines? Ah bah oui, les champignons pour faire le steak frites là. Alors, est-ce qu'il me reste de la place? Va vraiment falloir qu'on aille farmer de l'argile. Ouais, je me suis pris une pelle niveau 4 là. Parfait. Il nous faut de l'argile et je pense qu'il faudra qu'on aille faire un aller-retour tous ensemble à l'ancienne maison. Et on est pas mal. Ouais, ça c'est. Enfin, je vais pas nous porter la poisse, hein, mais. Je trouve que ça s'est quand même mieux passé que la vague 1. Bah, la vague 1, on s'était fait déchirer 4 fois d'affilée, on n'avait rien fait, on n'avait pas compris ce qui s'était passé. Ça. Alors je vais m'éloigner un peu, je vais aller dans quelle direction là? Ça pousse, ça pousse. Vas-y, je vais aller au biome dans le nord. Je suis en train de planter dans le jardin d'à côté les graines d'arbres. Bon, c'est une belle conclusion après avoir toute cette mort, semer un petit peu de vie. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des choses à nous faire remarquer. Mais n'oubliez pas qu'on ne s'est pas spoilé, on n'est pas été voir de guide ni quoi que ce soit, on essaye de faire selon le bon sens. Je trouve que les jeux de survie comme Seven Days to Die, eh bien tout le sel est là de découvrir eh bien, par la mort, par la difficulté, mais c'est bien ça qui est important dans la courbe de progression. Si on savait déjà tout faire et qu'on suivait un guide, ça serait beaucoup moins fun, à mon sens, même si pour vous, eh bien peut-être que c'est là que c'est moins fun de voir les gens galérer, surtout si vous connaissez bien le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit, exprimez-vous dans les commentaires, toujours de façon respectueuse. Et si vous voulez pas louper d'autres vidéos, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Et si vous dites non, eh bien expliquez-moi pourquoi, je sais qu'il y a pas mal de choses à améliorer. En attendant, prenez soin de vous, et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vague. Allez, ciao!